Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Crostiche. Aujourd'hui, écoutez, aujourd'hui c'est mon 50e partenariat avec VIP Crostiche. Mon 50e partenariat. Je ne sais pas si vous vous imaginez, ça fait 2 ans, plus de 2 ans que je suis avec eux. Je crois même que ça fera même pas. Je crois qu'on va arriver aux 2 ans là, en octobre, me semble, ou en novembre. Et déjà 50 partenariats avec eux. C'est incroyable. Je suis en train de réfléchir, j'ai une bêtise. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. 3 ans, 5 ans partenariat. Ça fait pas 2 ans, ça fait 3 ans. Voilà, bah écoutez, c'est juste un truc de dingo. Parce qu'en fait, j'ai commencé un partenariat quand j'ai commencé à avoir ma première chaîne YouTube, Jackie Diamonascrap, qui était Jackie, l'épée de Jackie, je crois, à l'époque. Voilà. Donc, 50e partenariat avec eux. J'ai pris 3 toiles identiques, pratiquement, de la marque Spring. Et en fait, j'ai vu ces toiles-là... Oh, bah tiens, j'ai oublié un autre truc, je sais pas quoi. Ces toiles-là, en fait, je les ai vues sur différentes chaînes, dont la chaîne de Angélique. Et voilà, et je me suis dit, waouh, c'est top canon, j'en veux une, parce que comme j'ai refaire ma cuisine, j'en voulais, voilà. Alors je monte de suite, on va commencer par celle-ci. Voilà, fines herbes. Donc les trois sont de la même collection, puisque j'ai pris confiture, et j'ai pris thé café, et j'ai pris fines herbes, voilà. Alors on y va. Spring. J'aime beaucoup Spring. Alors... Fines herbes, évidemment, hein, fines herbes, ben, les couleurs, vous voyez bien. Mais je cherche, en fait, je cherche, voilà, c'est ça que je cherchais. Je cherchais, en fait, le patron qui est sur le papier glacé. Alors, on voit déjà dans le patron que j'ai du point arrière. Ok. Pas mal de points arrière, quand même, hein. Beaucoup de points arrière. Et voilà, donc en fait j'ai 25 couleurs, donc j'ai 25 couleurs en points normaux et j'ai 4 couleurs en points arrière. Elle est plutôt pas mal, donc qui montre bien que sur la première page, donc j'ai ceci, la deuxième page j'ai le restant, donc qui est ici pour le point arrière. Voilà, sympa. Franchement, je trouve ça super sympa. Comme on veut refaire la cuisine et puis que je veux mettre des couleurs un peu vert. Alors, vert olive, ou un petit peu plus clair que vert olive, avec un fond... alors, je sais pas trop si je fais blanc, ma cuisine, ou si je fais beige, avec du vert olive pour les meubles, je sais pas encore. Mais c'est vrai que ça irait super bien. Voilà. Top canon. Alors, les couleurs, bah justement. Voilà. Alors, j'hésite entre faire la peinture de ma cuisine pour les meubles, hein. Soit du vert comme ça. Soit du vert comme ça, ou soit du vert comme ça. C'est à peu près les tons là. Là, c'est trop foncé. Et là, j'aime pas, c'est trop pétant. Mais ouais, c'est un des 3 tons là que j'aurais voulu. Donc, il y a 25 couleurs, donc pas mal de verts, comme vous pouvez le constater. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 verts différents. Voilà, donc une petite plaquette que j'aime bien, sympatoche. Et vous avez... 2 aiguilles. Et je crois que c'est du 11CT, si mes souvenirs sont bons. Alors, normalement, elles ont toutes la même taille. Hein. Waouh! Ah ouais, mes canons, en fait. Ah, moi, je pensais que j'avais tout ça, en fait, à écrire en point arrière, là, ici. Mais finalement, non, en fait, c'est déjà fait. J'ai juste des points arrière à faire. Ah, c'est canon. Donc, elle fait 100... Oh, ils mettent 124 sur 128. Mais, ouais, parce qu'il faut un cadre avec. Non, il n'y a pas de cadre. Ouais. Ok. Plutôt sympatoche. Moi, j'aime bien. Je pense que c'est un projet qui pourrait aller quand même assez vite. J'aime bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça pourrait être vraiment bien. Et c'est quoi qu'ils mettent, là, les deux trucs, là? Là, ici, je sais pas ce que c'est. Parce que là, j'ai bien le point, les 4 points arrière, mais là, j'ai un truc, je sais pas ce que c'est. Là, c'est les points arrière.
c'est le point réel. J'en ai qu'un, ils mettent que c'est du point 19. Je sais pas. Je sais pas, je verrai quand je la ferai. Elle est surjetée, elle est très bien. Moi, j'aime beaucoup. Voilà pour ce premier projet. Voilà. Plutôt sympatoche. Alors, pof, pof, pof. Donc, pour l'herbe, très bien. On va regarder le café. Alors, par contre, moi, j'aime bien leur pochette. Hein. Ça, leur pochette, je suis très fan. C'est très, très bien. Le deuxième projet, c'est thé café. Dans les tons plus rouges, rouge et bleu. Là, il y a d'avoir moins de couleurs. Il y a 13 couleurs, apparemment. Il y a 13 couleurs. Alors, on va regarder le patron. Donc, thé café. Pareil, il y a pas mal de points arrière aussi. Dans le patron. C'est du 11 CT. Hein. Les trois sont en 11 CT. Et donc, vous avez donc le patron qui est divisé en deux. Une partie qui est de l'autre côté. La partie là qui est ici. Et vous avez donc 13 couleurs. Et vous avez 1, 2, 3, 4, 5 couleurs en point arrière. Voilà. Plutôt pas mal aussi. Hein. Thé, café. Ah oui, je vois que le E du thé, pof, il se fait en point normal. Et puis, vous avez le petit E, en fait, qui se fait en point arrière. Donc, là, ici aussi, le café, là, vous avez des... Ça se fait aussi en... Franchement, j'aime bien. C'est sympatoche. Je pense que c'est des toiles plutôt sympas qui peuvent aller vite à faire. Donc, j'ai 13 couleurs, donc pas mal de rouge quand même. Donc, du rouge, du rose... Voilà, et du bleu. Sur les 13 couleurs, j'ai 1, 2, 3, 4 bleus. 4 bleus. 2 verts et 4 bleus. Pas mal de blanc aussi. Enfin, c'est même pas du blanc, ça c'est du écru. Voilà, un petit peu pour ces couleurs. Plutôt pas mal. Donc, et avec deux aiguilles aussi. Donc voilà. Alors la toile en elle-même. Il fait bon là dehors, on verrait un peu le soleil qu'on a. Ça fait vraiment plaisir. Pour un 20 septembre, c'est top. Voilà. Oh, elle est plutôt sympa. Elle aussi, j'aime bien. Et je me demande si je pourrais pas changer les couleurs en fait. Et les mettre dans les mêmes tons que l'autre. Et me faire vraiment au moins déjà deux toiles dans les tons vert, vert olive comme je veux. Je sais pas, je me pose la question. Mettre ce café, café, thé, café. Et en fait, changer la couleur. Ouais, je pourrais le faire ou pas. Laissez le... Enfin, tout tes cafés, tout ce qui est en rouge, en fait, le changer par du vert et laisser le reste en bleu, pourquoi pas. Je sais pas, je réfléchis. Sympa. J'aime bien. Voilà pour la deuxième, thé café. Et la troisième, je vais vous la montrer de suite. Donc, c'est confiture. Alors, ah, excusez-moi, j'ai mon mari qui est en train de changer un verrou. Donc, il fait un peu de bruit. Et la troisième, donc, c'est confiture. Plutôt sympatoche aussi. Hop. Là, c'est vraiment les tons rouges. Voilà, pas mal de rouge. Hein. Je vous les montre rouge et rose. Hein, il y a vraiment du rouge et du rose. On est constaté du bordeaux. Il y a un tout petit peu de vert. Et là, c'est pareil. Par contre, là, j'ai 28 couleurs hein, sur celui-ci. Celui que j'ai le plus de couleurs. Alors, le patron, il est là. Voilà, donc il est comme les autres, exactement la même chose. Et vous avez la confiture d'un côté du patron et l'autre côté, vous avez donc le reste comme tout à l'heure. Et donc, il y a 28 couleurs et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 points arrière. 6 points arrière avec 27 couleurs. Bon, plutôt pas mal aussi. Pas mal, hein. Le point arrière aussi, j'en ai au niveau ici des bocaux, enfin du récolte du jardin, c'est noté. Ouais, sympa. Un petit peu au niveau des fleurs aussi, des bocaux, hein, forcément. Confiture. Et très joli. Donc, c'est du 11 CT également. Alors, celui-là, je ne pense pas que je changerais les couleurs. Par contre, l'autre, ouais, thé café, je pense que je changerais bien les couleurs. Je mettrais bien dans les tons plus verts, en fait. Tout ce qui est rouge, je mettrais en vert. Ou tout ce qui est bleu, à la rigueur, le mettre en vert. On va plutôt faire ça. Tout ce qui est bleu, le mettre en vert et laisser le rouge. Voilà. Confiture. Plutôt bien. Récolte du jardin, confiture.
Ah ouais, j'aime bien, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est plutôt sympa. Pareil, hein, elle est surjetée aussi. Elle fait 128 par 124 points, comme les deux autres. Je pense que c'est des toiles qui vont être vite, vite faites. Vite à faire, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très très bien. Donc cet ensemble de collections, cette collection de toiles. Il y en avait plusieurs, il y avait plusieurs, il y avait autre chose, il y avait les agrumes, je crois. Il y avait d'autres thèmes, et c'est vrai que c'était vraiment cela qui me plaisait le plus, qui me correspondent le plus en fait. Elle était au prix de 7,45 €, 7,45 $ la toile, 7,45 $ la toile. Alors j'ai un code chez VIP Crossfish que je vous mets, qui me sera en barre d'infos, comme d'habitude, si vous voulez en profiter. Voilà, c'est Jackie 10, si je ne dis pas de bêtises. À chaque fois, je ne sais jamais. Donc, c'est Jackie 10 et vous avez 10% de remise sur vos produits, sachant que c'est cumulable avec les offres que font également. Je vais mettre à l'endroit, cela me perturbe. Que font VIP Crossstitch, c'est-à-dire les offres du style vous achetez 4 toiles, vous en avez une gratuite et vous pouvez rajouter les 10% dessus. Ça peut payer, je pense, les frais de port. Voilà. Je l'ai eu quand même assez rapidement puisque j'avais été contactée le. Ouf, je tourne ma page. Septembre, c'est où? Le 10 septembre et on est le 20. Donc c'est en 10 jours. Voilà, en 10 jours, j'ai eu mes trois produits. Voilà pour mon 50e partenariat avec la boutique VIP Crostiche. Je vous en remercie vraiment. Énormément, énormément. Allez, moi je vous laisse là et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous bien.